Mesdames et messieurs, monsieur le député, le Premier ministre a répondu à une question similaire. Je ne vais pas revenir dans les mêmes termes. Je voudrais simplement, faisant état de ce que nous avons vécu depuis hier avec Jean-Yves Le Drian, nous avons accueilli, comme vous le savez, à Niamey nos compatriotes, essayer de répondre à une question. Comment pendant plus de 3 ans, pour une part sans nouvelles, car il y avait 2 groupes, d'une part le groupe de Daniel Laribe et de Thierry Doll qui n'avaient absolument aucune nouvelle sur ce qui se passait en France, et d'autre part l'autre groupe. Comment peut-on résister? Je pense que, de ce que nous ont dit les ex-otages, il y a des habitudes à prendre, il faut tous les jours faire un certain nombre d'exercices, de démarches, s'astreindre à un certain nombre de disciplines. Il y a l'espoir et il y a le fait de savoir, sans en avoir le témoignage, qu'en France, chez nous, l'État et les citoyens sont à vos côtés. Je pense que c'est ça qui les a fait tenir. Je veux, en même temps que redire l'hommage qui doit être rendu au président nigérien, vous dire que la France a été fidèle à ce qui est son message. La France, mesdames et messieurs les députés, ne paye pas de rançon. C'est clair et c'est net. Le président Issoufou, compte tenu des contacts qu'il avait, a permis cette libération. Le fait que nous ayons mené les opérations au Mali, la facilité. Et c'est dans ces conditions qu'aujourd'hui, je pense, tout le monde, comme vous l'avez fait, peut se réjouir d'une issue positive, tout en pensant aux otages. La parole est à monsieur Damien Meslot.